Présentation du plateau élite de la 26e Corrida Internationale de Langueux. Présentation également du championnat de France du 10 km. Applaudissements pour Daria Michalova. Son record personnel. 32-20, son record pour l'Éthiopie, Texabesh, Yemeni Dempsey. En 54 pour son record personnel, toujours pour l'Éthiopie, Accédé Akkadou. Attention, elle vient de terminer deuxième du 10 km de Casablanca en 31 minutes. Et 21 secondes, c'est la grande favorite aujourd'hui de la corrida pour l'Éthiopie Buzinesh Gelasho Guneta. Pour le Kenya, deuxième du 20 km de Marwa, Gladys Kataon Kiplagat. Pour le Kenya, 33-03, son record Martha Akeno. Antille 49 pour son record personnel pour le Kenya Betty Lambus. Pour le Kenya 32-49, son record personnel Dorcas Nzemi Kitombe. Pour l'Érythrée, licenciée à l'entente Franconville, Cézanne Valdoise, Métès Wendou. Championne de France de cross au Mans au mois de mars dernier, elle vient de terminer troisième des championnats méditerranéens dans sa catégorie espoir, Jacqueline Gandard. De la tente Périgueux, Sarlat-Réissac, athlétisme, Clément Spottier. Du Stade de Vendre, Samira Mézégrad-Saad, avec un record personnel en 33-17, avec un très très beau sourire. Yoacine Clemaras, vice-championne de France en salle du 3000 à Aubière au mois de février dernier, Fanny Pruvot. Et attention, elle a battu son record personnel ici en 2012 en réalisant 31 minutes et 48 secondes. Elle détient le record de France du 15 km, du 20 km, du semi-marathon, du marathon, du 10 000 mètres sur piste, championne d'Europe, à Zurich en 2014 sur le marathon, et les chez elle ici à Angleu, qui s'est donné. Samira.
On encourage Christelle là-bas, dans le public. Oh. De la troisième française. Ça va être bien, hein. Alors, c'est qui votre favori? Je ne sais pas. Bonne qui va se présenter de mérite. Ça, pour l'instant, les médailles de bronze sur le championnat de France du 8e. Christelle Dorénevance. Quatrième du championnat, Fanny Pruvot. Avec Nikalova, l'Ukrainienne. En compagnie de Charlotte Morin, Zénache Nespus. De 10 000 et puis sincèrement bah, ça me servirait à rien, je perdrais un petit peu de temps sur ma préparation. Le 5 000 me sert pas à grand chose, en plus bon, on fait pas forcément des chronos, si ce n'est l'aborder comme une séance comme j'aurais fait aujourd'hui, mais sur le plan fédéral j'ai pas d'obligation d'y être et je préfère aller me faire une bonne sortie longue pour la suite. Et puis je remercie le public, c'est encore plus que les années précédentes, je crois. Enfin, de mes souvenirs, c'était fabuleux. Ouais, fabuleux. Tout le long du parcours, vraiment. Ouais. Oui, ouais. Et puis bon, c'est vrai que j'avoue que ça m'a lancé aussi un peu dans la course et j'ai profité aussi de cet engouement pour chauffer un peu le public. Ouais, et puis c'est bien, c'est une première, une marraine qui est championne de France. Ouais, bah, je suis fière et. C'est aussi la reconnaissance des organisateurs. Enfin, nous, on a aussi, on reçoit beaucoup de tous les organisateurs parce que sans eux, sans les bénévoles, sans tout le monde, on ne serait pas là. Et on doit aussi les remercier et puis jouer le jeu parce que la course à pied, c'est une fête formidable. On peut le voir depuis ce matin ici à Langueux. Il y a plein de monde et plein de ferveur et puis on a un temps avec le temps avec nous et que du bonheur quoi, fantastique. T'as conscience que t'es devenu une icône aussi de l'athlétisme français, c'est pour ça aussi que ça fait partie des leaders. Voilà, ça fait plaisir. C'est de la reconnaissance, j'en suis fière et je suis contente aussi d'avoir cette image et je le rends aux gens parce que grâce à... Merci. Une dernière question, oui. Il y avait une grosse confrontation aujourd'hui, oui. Avec de grands athlètes, est-ce que cela t'a motivé? Il y avait un public énorme et tu étais attendue et tu as répondu présente, est-ce que c'était ce scénario attendu? Aussi bien placé, je suis surprise parce que il y avait beaucoup d'étrangères. J'avais pas la prétention de me coller à elles d'entrée. Donc j'ai fait ma course et je me suis dit voilà, si je termine dixième, je termine dixième, mais tu t'occupes pas trop des étrangères. Et puis au fil de la course, j'ai vu que j'étais dans le rythme. J'ai pris la course à mon initiative parce que je me suis dit il faut que tu fasses une séance, il faut que ça soit une course utile pour la suite. Et puis j'avoue que le public m'a donné des ailes et j'en ai profité aussi de tout cet engouement pour aller de l'avant. Le schéma pour Rio
me paraît, de mon point de vue, sur les bons rails. Est-ce que pour toi, c'est bien cette catégorie? Oui, je monte en puissance, tranquillement, là, même si j'aurais aimé faire un meilleur chrono. Je monte en puissance, là j'ai attaqué, je suis arrivée avec des jambes moyennes, mais bonnes malgré tout, parce qu'il fallait avoir du jus, et ça reste un championnat de France, et une corrida, donc il fallait quand même venir ici bien concentré, et puis avec des ambitions certaines, mais... Il fallait prendre ses responsabilités aussi, et je l'ai fait. Quelle intensité, le public était incroyable, et on avait des frissons. Ouais, moi aussi, il m'a donné beaucoup de frissons, c'est pour ça qu'aussi j'avais envie de lancer la course, même si je craquais sévère à la fin, parce que le public mérite du spectacle, parce qu'il nous le rend bien avec tous ses encouragements, et j'ai tout donné pour que la course aille. Voilà. Ok, Samira, aujourd'hui c'était vraiment une course internationale digne de ce nom. Comment tu t'es situé toi dans cette course? C'est vrai que c'est une c'est un niveau très relevé devant. Donc moi je suis très contente de faire déjà les troisième du championnat derrière Donné et Ganda. Donc je pense qu'aujourd'hui je n'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. N'empêche, un peu diminué, mais quand même une troisième place aux France dans une telle concurrence, c'est quand même pas mal, quoi. Ah oui, c'est très bien. Pour moi, je ne crache pas dessus, c'est une très bonne place pour moi. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, puisqu'il y avait quand même une bonne dizaine de filles qui jouaient la gagne, tu t'es été un petit peu décroché, est-ce que tu pensais tout de même rester dans ce peloton-là? Quand je suis arrivée au cinquième, je me disais il faut que je garde ma place quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'était pas évident parce que j'ai fait quasiment toute la course toute seule, mis à part le premier kilomètre. Mais après c'était mental, il fallait tenir, et puis voilà, sur le dernier kilomètre, grâce à l'Italienne qui me dépasse, du coup je m'accroche et je relance avec elle, et ça m'a aidé à maintenir ma troisième place. Et au niveau des sensations, est-ce que tu te retrouves, est-ce que tu es dans ta forme là en ce moment, ou alors c'est moyen, comment on va dire? Aujourd'hui non, je suis un peu diminuée à cause d'une angine, là j'ai une angine depuis 2-3 jours, et enfin je suis un peu diminuée, mais bon, je pense que toutes les filles ne sont pas dans, même Donné ou Gandard, elles ne sont pas dans leur chrono, donc c'est une course de championnat et c'est pas le chrono le plus important. Bravo, en tout cas une belle course, une belle troisième place. Merci beaucoup, merci. Pour ce podium, la Marseillaise.